m'appelle Thomas Dufour. Je suis né à Chamonix. J'habite au village de Tours et je travaille l'hiver à l'école de ski L'Argentière et l'été au site des Gorges de la Deusasse. Mon rapport avec la vallée de Chamonix, je suis très attaché à cette vallée, forcément, puisque j'y ai toujours habité. J'ai voyagé un petit peu en faisant un peu de sport à droite à gauche. Maintenant, je travaille l'été aux Gorges de la Deusasse et je m'occupe de ce site depuis maintenant 3 ans et ça fait à peu près 25 ans que je travaille là-bas. Alors, les Gorges de la Deusasse, c'est un des premiers sites développés touristiquement dans la vallée de Chamonix. Ça a été ouvert il y a un peu plus de 140 ans maintenant. C'est un chemin suspendu qui est aménagé dans le canyon des Gorges et on peut visiter des cascades et visiter le canyon en fait. Alors le site peut se visiter de début juin jusqu'à fin septembre tous les ans et c'est fermé l'hiver parce que c'est beaucoup trop dangereux. Le meilleur souvenir dans la vallée de Chamonix, du pays du Mont Blanc, c'est plus beaucoup de souvenirs. C'est des randonnées avec des amis, c'est des promenades soit aux champignons, soit à chercher un petit peu les cristaux. C'est toute une succession de moments en ski ou à pied, évidemment souvent dans la nature, dans des coins un petit peu éloignés des sentiers. Ou mes lieux préférés dans la vallée, évidemment je suis obligé de citer les Gorges parce que je suis vraiment très attaché à ce patrimoine qu'on essaye de pérenniser et de pouvoir transmettre aux futures générations dans les meilleures conditions possibles. Mais évidemment il y a beaucoup d'endroits, des endroits un peu c'est souvent des endroits un peu hors des sentiers battus et je peux pas révéler tous mes secrets. Trois mots pour moi qui qualifieraient la vallée, ce serait déjà forcément la nature. Elle est accessible tellement facilement dès qu'on sort de chez soi. On peut aller en forêt, on peut aller en haute montagne, en basse montagne, on peut aller sur les glaciers, on peut aller voir et visiter des cascades. C'est un des points majeurs pour moi. Le deuxième point de la vallée, c'est le côté esprit d'aventure. On voit toutes sortes de personnes à Chamonix. Il y a beaucoup dans des sports différents, dans des disciplines différentes, que ce soit aussi en art et en culture. Je trouve que c'est assez fantastique de voir tous ces gens qui arrivent à Chamonix avec des spécialités différentes. Et le dernier point qui qualifierait Chamonix pour moi, c'est forcément amitié. J'ai mes racines qui sont là, ma famille qui est là, beaucoup d'amis ici. J'aime partir de Chamonix, voyager un petit peu, mais j'adore revenir et retrouver les copains et boire un coup de sirop à la menthe ou autre chose.